Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Fly Forever Loving You. Donc on va commencer le chapitre 7 ensemble. J'ai cliqué sans faire exprès, il était mis c'est Mélanie à gauche. Et du coup maintenant j'ai le nouveau. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire. On commence tout de suite, j'ai toujours Thomas en crush. Et donc c'est parti. Qu'est-ce qui m'a envoyé ça? Il y a quelque chose qui ne va pas, Yoka? Je lui ai fait signe de s'écarter pour lui en parler. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas trop moi-même. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Commence par le début. Je lui ai tout raconté pour Juliette, mes inquiétudes, etc. Il y a quelques minutes, j'ai reçu un message qui disait « J'espère que ça t'aidera ». Juste après ça, j'ai reçu un MMS et je ne sais pas du tout à qui je dois... Oula, ce que je dois en penser. C'était quoi? Bah, je lui montre, écoute. Ah! Je lui ai montré la photo. Ah ouais, je vois. C'est bizarre que quelqu'un t'envoie ça comme ça. La photo a l'air de dater, en plus. À la voir, je comprends pourquoi cette histoire entre Béatrice, Mélanie et Juliette a l'air d'être si compliquée, tout en étant banale. C'est vrai que je m'y retrouvais pas trop non plus, alors que j'étais au collège avec elle. Et tu ne sais pas du tout qui t'a envoyé la photo? Les SMS en inconnu, c'est possible, au moins. Aucune idée. Tu crois que c'est la même personne qui a écrit le mot que Josh a retrouvé sur Juliette? Je ne sais pas trop. Si c'était quelqu'un de mal intentionné, pourquoi te l'avoir envoyé à toi? On dirait plutôt quelqu'un qui cherche à t'aider à comprendre cette histoire, non? Pourquoi moi? Pourquoi cette personne ne s'en occupe pas? Enfin, je ne comprends pas trop, je suis censée faire quoi de cette information? Et qui m'a envoyé ce message? Déjà, tu peux nous éliminer des potentiels expéditeurs, moi, Josh, Béatrice, Nabil et Clément. On était tous là à discuter. Tu as donné mon numéro à combien de personnes? Je sais plus trop, désolé. Qui d'autre ça peut être? Qui pourrait être le plus au courant de mes inquiétudes et de nos investigations? Lorraine? Attends, Lyoka. Tu te rappelles de la conversation qu'on a entendue entre Clara et Emily? Ah, raison. Qui d'autre est au courant à part Mel, bien entendu? Bah, il y a toi, moi, la personne concernée, et puis Béa, il me semble. Et peut-être même son frère, là, Clément. Il me semble que oui, mais il ne sait pas que je le sais. Il ne faut pas que qui que ce soit d'autre l'apprenne. Sinon, c'est fini pour Mélanie. Ouais. Bon, bisous, je te laisse aller en cours, salut. Quoi que ce soit, elles étaient au courant toutes les deux. Émilie est assez distante derrière moi. Ça m'étonnerait pas qu'elle ne nous parle pas. Pourtant, elle était censée mépriser Mélanie. Je ne comprends pas trop son comportement. Que ce soit elle ou Clara, dans les deux cas, ça m'étonnerait qu'elle m'envoie un MMS à moi. Enfin, je ne sais pas. Elle reste suspecte. Vite, avant que les autres ne se posent trop de questions. T'as pas d'autre idée? Si on me parle de mystère, je pense tout de suite à... Thomas. Ouais, il faut mener l'enquête alors. Je l'entends déjà dire, pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? J'ai rien à voir avec vos gamineries, bla bla bla. Superbe imitation. Personne à qui, toi, tu as donné ton numéro? À qui tu as prêté ton portable? Non. À part à Marion, la sœur d'Evan, pour qu'elle nous envoie la photo que j'ai prise de deux. Ah, tu as rencontré Marion? Bon, ça m'étonnerait vraiment, mais n'écartons personne de notre liste de suspects. Dans les fictions, c'est toujours les personnes qu'on écarte trop vite et qu'on ne soupçonne jamais qui sont les coupables. Tout ça me donne le mal de tête. J'ai du mal à réfléchir. Tout va bien, les filles? Enfin, non, je regardais si mon micro est allumé. Non, si, enfin, en fait, je me sens pas très bien. Je vais rentrer chez moi, je suis désolée. Je vois. Tu es sûre de toi? Oui, ça m'embête un peu, mais il vaut mieux. Pas de soucis. Si ça va pas, c'est compréhensible. T'en fais pas. Je suis rentrée chez moi et j'essaie de ne pas trop y penser. La photo. Est-ce qu'elles étaient en couple et se sont séparées? Est-ce qu'elles le sont encore et jouent un rôle pour le cacher? À chaque fois que je réussissais à penser à autre chose, ces questions revenaient sans cesse. J'ai passé mon week-end à regarder des séries et à jouer à des jeux sur mon téléphone. Lundi. Oh, Thomas. Ah, je peux avoir Mélanie. Non, allez. Quelle tenue, pas d'incidence. Bon, bah, on va mettre la dernière, alors. Après ce week-end qui m'a paru très long, me voilà de retour au lycée. 36 000 questions en tête. Après mûre réflexion, je me suis dit que je me devais d'enquêter plutôt que de rester dans mon coin avec mes théories. J'ai donc décidé d'arriver en avance au lycée, histoire de parler à un peu tout le monde. Salut Lorraine. Hé hey, Lyoka, comment ça va? Ça va. Toi t'as pas l'air d'aller, je me trompe? Oh c'est rien, c'est des problèmes avec l'administration. De quel genre? Des papiers qu'on me demande de faire signer par mes parents alors que je ne vis plus chez eux et que je suis majeure pour faire court. Tu ne vis plus chez tes parents? Non, c'est une longue histoire, j'ai mon propre appart avec Gab. J'ai eu des petits soucis avec ma famille, du coup j'ai pris un peu de retard au niveau scolaire. Mais bon, je me sens bien plus épanouie maintenant. D'ailleurs, si t'es pas au lycée avec Gabriel, vous vous êtes rencontrés comment? Est-ce que tu es curieuse aujourd'hui?
Disons qu'on a tous les deux eu un parcours de vie similaire et qu'on s'est très vite, on s'est très bien trouvé au bon endroit et au bon moment. C'est mignon. Vous avez de la chance de pouvoir compter l'un sur l'autre. Je suis certaine que tu trouveras ta moitié toi aussi. En tout cas, tu le mérites. Et qui sait, peut-être que tu l'as déjà rencontré ta moitié. Bon, je te laisse moi à ce soir. Bisous. Sinon, comment ça se fait que t'es là aussi tôt aujourd'hui? J'étais juste en avance pour une fois, alors j'ai décidé de venir plus tôt. Très bien, je vais à l'infirmerie, je te laisse. On se voit plus tard. À plus. Est-ce que je vais leur parler? Il le faut. Allez, j'y vais. Salut, Émilie. Hey, salut, ça fait longtemps. Ouais. Je sais pas du tout comment parler de cette photo sans avoir l'air bizarre. Je devrais en parler une autre fois, je pense. Ça a été le contrôle de littérature avec Monsieur Xiaski l'autre jour? Ouais, mieux que je m'imaginais. Et toi? Pareil. Je devrais aller voir quelqu'un d'autre. Bon, j'y vais, salut. Salut. Ah, il y a Thomas! Tiens, Thomas qui sourit, c'est pas commun. On est de bonne humeur à ce que je vois? Ouais, merci de venir tout gâcher. Mais de rien. Mademoiselle 1, 2, 3, soleil, c'est moi. Je peux toujours compter sur vous pour la réunion de cet après-midi? Oui, bien sûr. Attendez, est-ce que... Non, c'est bon, il a l'air toujours... Il y a Clément qui est un peu plus haut, mais sinon... Et il y a Evan aussi. Est-ce qu'il était plus haut avant? Je me souviens plus. Tant pis. Oui, bien sûr. Très bien, je vous retrouve devant mon bureau à 14h. Merci encore. Hey, tout va bien? Et toi, ça va? Ouais. Aide-moi à essayer de trouver ce qui ne va pas. Lyoka, Rachel ne veut pas me le dire. Mais y a rien, tu te fais des films. Je sais que quand quelque chose ne va pas, et visiblement c'est le cas. Je sais que quelque chose ne va pas, et quand quelque chose ne va pas, et visiblement c'est le cas. Elle est trop chou, c'est trop chou comme image. Allez, tu peux nous faire confiance à nous. Vas-y, Rachel. C'est pas une question de confiance, c'est juste que je préfère penser à autre chose. Visiblement, tu n'arrives pas à penser à autre chose. C'est encore Alex. Qu'est-ce qu'il a encore fait, celui-là? J'ai pas envie de vous embêter avec ça. Mais vas-y, ne t'en fais pas. C'est rien, c'est juste qu'il... Il n'arrête pas de m'envoyer des messages alors que je lui ai clairement dit que je ne voulais plus entendre parler de lui. Je l'ai bloqué sur Facebook, mais maintenant il m'envoie des messages presque 5 fois par jour pour me dire qu'il veut me parler. J'en ai marre, je veux plus du tout l'entendre parler. Je veux plus du tout entendre parler de lui. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi? Je lui ai tendu son téléphone. Elle lui a tendu son téléphone. Message, paramètres, paramètres des spams, et voilà. Alex a ajouté au spam. Je savais même pas que c'était possible. Et voilà, tu en es débarrassé. Virtuellement, en tout cas. Bah, merci beaucoup. Pas de soucis. Ça s'accélère, les amis, Rachel. Ne garde pas ce genre de choses pour toi. Ouais, je sais. Je voulais pas vous embêter, merci. Mais tu nous embêtes pas, d'accord? Garde ça en tête. Garde pas les choses pour toi, tu vois. On peut t'aider. Enfin, en l'occurrence, Evan pouvait. On a changé de sujet, parlé de choses un peu plus joyeuses avant d'aller en cours. J'ai plus de musique à la fin des cours. Je vais aller rendre un livre au CDI, je vous laisse. On y va? Ah, je préfère attendre un peu. Pourquoi? Y a un souci? C'est rien, c'est juste qu'Alex avait dit qu'il allait m'attendre à la fin des cours pour parler et j'ai pas la tête à ça. Comme je l'ai bloqué, je sais pas s'il a abandonné l'idée ou pas. Tu sais, j'aimerais bien te dire de l'ignorer, mais à ce stade, il va continuer à te harceler jusqu'à ce que tu l'écoutes. Je me dis que peut-être tu devrais l'écouter une dernière fois et lui dire clairement qu'il te laisse tranquille. Je n'avais pas remarqué que Nabil qui nous écoutait du fond de la salle. J'ai entendu votre conversation, je suis désolée de me mêler à ce qui ne me regarde pas. Alex, qui est en terminale? C'est lui dont tu m'as parlé samedi, t'es plus avec lui et il te harcèle, c'est ça? Il ne me harcèle pas vraiment... Oui, c'est ça. C'est ce que je me disais. Il faut surtout pas que tu lui donnes ce qu'il veut. Si tu fais ça, il n'arrêtera pas. Alors je dois continuer à l'ignorer jusqu'à ce qu'il arrête? Yep. Il faut juste que tu lui montres que tu t'en sors très bien sans lui et qu'il n'a pas besoin de lui et il te laissera tomber. Et comment tu peux en être sûr? Il va pas encore plus la harceler? Crois-moi, je connais les relous de son genre. J'ai bien peur que j'étais un peu comme ça à l'époque. Suivez-moi et jouez le jeu avec moi. D'accord. Nabil a mis son bras autour de l'épaule de Rachel. Il nous a suggéré de ne pas croiser le regard d'Alex et de faire comme s'il n'était pas là. On a dépassé Alex sans lui prêter attention et il n'a pas essayé d'aborder Rachel. Il avait l'air mauvais. Il avait l'air mauvais. Oh, je sais pas. Ça a marché, j'en reviens pas. Lui qui est si collant. C'est vrai, j'y crois vraiment pas. C'est peut-être parce que t'étais là toi aussi. En tout cas, cette histoire m'a permis de voir une facette d'Alex que je ne connaissais pas. Ou du moins, pas à ce point-là. T'inquiète. Le simple fait de faire comme si sa présence t'était indifférente, ça va l'énerver et il va passer à autre chose. Et ouais, je comprends. Bon, je vous laisse. J'ai cru comprendre qu'on se retrouvait tous à 14h pour la réunion du CVL, non? À toutes. Alors? Alors quoi? Alors comme ça, on s'est rapproché de Nabil, à ce que je vois? Ouais, mais pas comme tu as l'air d'insinuer. De l'insinuer. Bah, on a fait notre exposé ensemble, et puis quand t'es parti samedi, on a beaucoup parlé. Et?
Et quoi? Tu l'aimes bien? Il est gentil, oui. Mais je suis pas du genre à avoir un crush sur le premier mec qui m'apporte de l'attention ou qui se montre un peu gentil. Sinon, je serais tombée amoureuse d'Evan depuis bien longtemps. C'est vrai. En parlant d'Evan, il a pas dit qu'il serait au CDI pour rendre un livre. Pourquoi est-ce qu'il n'y est pas? On l'aurait vu en arrivant s'il avait déjà rendu son livre. C'est vrai, il doit pas être loin, on le cherche? Avec plaisir. J'adore quand tout ça devient un peu mystérieux et secret comme ça. Oui, mais au final, presque à chaque fois, on se retrouve avec un tout petit secret pas vraiment intéressant. Il doit juste être aux toilettes ou un truc du genre, où il est parti rejoindre Clément. On verra. On a fait un tour du lycée en vitesse. Arrivé dans un couloir peu fréquenté, on l'a enfin retrouvé. C'est là que tu te caches. Hey, vous me suivez? C'était mon idée, désolé. Et pour être exact, on te cherchait. On ne savait pas où tu étais. Non, mais c'est rien, j'ai rien à cacher. Je suivais moi-même quelqu'un. Tu suivais l'élu de ton cœur? Non, c'est pas Clément que je suivais. Ah, ils se sont mis à rire tous les deux. Je pense que le Evan d'il y a quelques semaines n'aurait jamais blagué de la sorte à cette question de Rachel. Plus sérieusement, je suivais Émilie. Je pensais la trouver ici encore à courir après Clara ou même Mélanie, mais non. Elles sont juste allées aux toilettes. Si loin, il y en a d'autres étages et même partout ailleurs. Il m'a semblé la voir repartir en se mouchant, c'est peut-être qu'un rhume ou autre chose. Je commence à m'inquiéter un peu. C'est peut-être plus sérieux que de simples nouvelles fréquentations. Tu penses à quoi? Je ne sais pas, je sais vraiment pas, on le saurait si on allait, si elle allait mal, non? Elle ne parle pas beaucoup d'elle, quand on y pense. Et puis, elle se censure avec moi depuis qu'Alex, et bah, j'ai écouté en acquiesçant et sans intervenir. Ils tiennent vraiment à Émilie malgré les non-dits et la récente distance. C'est vraiment rassurant en un sens. Après cette conversation, on est parti manger. On mange pas avec Clément? Nope, il est avec Josh et Nabil. Nabil et lui regardent le groupe répéter et ils iront manger après la réunion du CVL en ville. Tu ne vas pas avec eux? Non, je laisse un peu de liberté à Clément, quand même. Oula, non, je laisse un peu de liberté à Clément quand même. Il vient d'arriver, alors je laisse se faire de nouveaux amis et il a l'air de bien aimer Nabil. Ça ne te dérange pas de rester tout seul? Je ne suis pas tout seul, je suis avec vous. Et je me débrouillais bien avant que vous soyez là. Qu'il ne soit là, pardon. On a des degrés. On a. Blablabla. Je suis pas tout seul, je suis avec vous. Et je me débrouillais bien avant qu'il soit là. On a des degrés de sociabilité différents. On peut pas toujours être ensemble. Evan arrive à faire très enfantin et très mature à la fois. C'est bizarre, mais il a une capacité à faire la part des choses que j'ai envie. Je vous laisse mon plateau. J'ai promis à Sarah de lui passer mes notes de SES. Je reviens. Dis, Evan. Est-ce que t'as encore des sentiments pour Rachel? Je vais être un peu direct, mais est-ce que t'as encore des sentiments pour Rachel? Quoi? Comment ça? Tu sais, Émilie l'a plus ou moins laissé entendre. Oh là là. L'a plus ou moins laissé entendre au début et ça se voyait. Tu avais le même goût qu'elle, tu rougissais quand elle était là. Et là, en quelques semaines, je te trouve différent. Tu lui parles comme à Clément, par exemple, genre de manière décontractée. Je vois, je vois. On va dire que ces dernières semaines, j'ai réalisé que l'idée que je me faisais de mes amis et ce qu'ils étaient, c'est différent, tu vois? On a changé depuis la sixième et passer un peu plus de temps avec tout le monde m'a permis de remettre plein de choses en perspective. Avant que tu n'arrives, tu m'aurais trouvé la plupart du temps seule au CDI en compagnie d'un livre. Émilie, elle, avec Rachel et son frère. Et puis, c'est pareil pour les premières. Tout le monde évitait Juliette avant. Josh n'avait pas vraiment d'amis à part Béatrice. En très peu de temps, toi et Clément, vous avez tout chamboulé. C'est vrai? C'est marrant. Attends, pourquoi tout le monde évitait Juliette? Je ne sais pas trop non plus, mais pas que Juliette. Il y a Lorraine aussi. Les gens les trouvaient bizarres apparemment. Pourquoi? Sûrement à cause de ce qu'elles sont, les gens peuvent être bêtes. De ce qu'elles. C'est bon, on a fini de prendre mes notes en photo. Elle m'a fait réaliser qu'à la fin des cours, c'est. Que la fin des cours, c'est pour super bientôt en fait. Surtout pour nous les secondes. Tu crois que ça va être ça le thème de la réu du CVL? Peut-être. Je n'ai pas voulu trop reposer la question à Evan pour ne pas trop l'embêter. Surtout que je sais exactement à qui m'adresser. Hé hey Clément, ça te dérange pas si je te pose quelques questions? Non, pas du tout, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me déclarer ta flamme? Je te laisse inscrire ton nom sur la liste d'attente de mes fans qui est très longue. Ils ne sont pas avec toi, Rachel. Ils ne sont pas avec toi, Rachel et Evan? Non, ils ont rejoint Emily après la cantine. Oh, je vois. C'est quoi ton problème avec Emily d'ailleurs? Je sais que tu ne la portes pas dans ton cœur, mais pourquoi? Ah, t'es venu me voir pour faire les entremetteuses? Je suis déçue profondément. Non, je suis pas du tout venue pour ce genre de choses au fait. J'ai juste vu que tu avais grimacé à la mention d'Emily. Je t'expliquerai un jour peut-être. Elle manque beaucoup de tact et j'ai pas beaucoup confiance en elle. Maintenant, que puis-je pour toi? C'est à propos d'un secret. Que je pense que tu sais, mais je ne sais pas si c'est un secret.
Ah, si tu veux que je crache le morceau sur un secret, compte pas sur moi, je suis une tombe. Un secret est un secret. À part si t'as 50 euros à me passer, je sais pas, je peux peut-être ouvrir ma bouche. Quoi? Du calme, je plaisante. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je me trompe si je te dis que je sais que tu connais un secret sur Juliette et quelqu'un d'autre? J'aime pas ce genre de questions où j'ai l'impression que peu importe ma réponse, que va obtenir, hein? Que peu importe ma réponse, tu vas obtenir ce que tu veux savoir. Sois plus précise. Je vais montrer la photo. Je te fais référence à ça. Où est-ce que t'as eu ça? On me l'a envoyé. Si tu réagis comme ça, c'est que tu sais quelque chose. Peut-être, ou peut-être que je voulais que tu penses que je savais quelque chose pour savoir ce que toi tu sais. Quoi? Je t'embête juste. Y a pas de numéro. Il a pris mon téléphone quelques instants avant de me le rendre. Tu en as parlé à quelqu'un? Seulement avec Rachel, pourquoi? Je vois, c'est très bien. Faudrait pas que cette photo atterrisse dans, de mauvaises mains. Et je peux avoir une explication? Je vois pas ce que tu veux dire de plus, vraiment. Pourquoi j'ai plus de musique? Je suis triste, moi, sans musique. Bon, tant pis. Bon. Je sais pas, un peu de contexte. Je vois bien que la photo n'est pas récente, mais elle date de quand exactement? Qui l'a prise? Déjà, je savais même pas que cette photo existait. Bon, pour faire court et ne pas trop en dire parce que c'est pas mon rôle de raconter tout ça, elles ne sont pas ensemble, plus ensemble. Elles l'ont été en troisième et ça s'est mal terminé. Mais Mélanie ne veut pas que ça se sache, alors ne t'en fais pas, je ne dirai rien. Je me doutais que Juliette aimait les filles, mais je ne savais pas pour Mélanie. Enfin, elle n'est pas en couple avec Édouard. Juliette ne s'en est jamais trop cachée en même temps. Tu parles dans ce couple. Et pour Mélanie, je ne sais pas quoi dire. Je peux pas parler en son nom. Elle est peut-être sortie avec une fille sans autant ne pas aimer les garçons, non? Elle peut... Quoi? Elle peut être sortie... Oui. C'est bien plus fréquent que tu ne peux le penser. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai cours et tu as une réunion avec les délégués du CV machin, truc, qui va bientôt commencer, non? Oui, je vais y aller. Et pour Mélanie, me tu sais bouche cousue. Tu jettes les clés et tu tiens ta langue, compris? Je ne suis pas sûre que ce soit ça l'expression. Ne t'en fais pas, oui. On y va? La réunion est assez courte. Monsieur Vasseur a dit qu'il y aurait bientôt une autre réunion pour organiser un événement pour la fin d'année. Tout ça pour ça, alors qu'un email aurait suffi. Apparemment, l'année dernière, il y avait une journée de cours banalisée avec des stands culinaires, musicaux, culturels et artistiques en tout genre dans la cour. Mais maintenant, distribuer de la nourriture dans l'enceinte du lycée est interdit. Alors, elle nous a demandé de trouver une idée d'ici la prochaine réunion. Je dois avouer que, comme d'habitude, j'étais plutôt concentrée sur autre chose. Ah! Elle est revenue! Non, 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 je veux pas quitter. Hop. Même en sachant ce que la photo suggérait en vrai est vrai, ça ne me dit toujours pas qui me l'a envoyé et pourquoi. Après ma discussion avec Clément, alors je n'ai pas trop envie de discuter de tout ça avec Rachel et Evan. J'ai promis à Clément de tenir ma langue. La solution la plus simple, ce serait d'en parler avec les deux personnes concernées. C'est pourquoi je me suis rendue au parc après les cours en espérant y croiser Juliette comme la dernière fois, comme elle n'était déjà plus dans l'enceinte du lycée. Bah, je vais chercher dans le parc. Après 30 minutes d'attente, je me suis décidée à chercher un peu dans le parc, n'étant plus en place. Je me suis un peu perdue, mais de loin, j'ai aperçu des silhouettes familières. C'est qui? Hey, salut Lyoka! Qu'est-ce que tu fais là? On était sur le point de partir. Avec Nabil, on allait retourner au lycée, comme on a encore des cours. T'as fini, toi? Oui. Bon, eh bien, on y va. À plus. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Je... me balade. Je vois, profitons de ces dernières semaines de cours ensoleillés avant le bac de sciences et de français. Tu as de la chance d'être en seconde, profites-en. C'est ta dernière année sans examen. Quelque chose ne va pas? Non, c'est rien, c'est bête, c'est juste... j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaye d'enquêter sur quelque chose, je découvre autre chose auquel je ne m'attendais pas. Et du coup, je me perds un peu et je ne sais plus qui c'est quoi. Ce que je sais, ce que je suppose, etc. Je sais que ça n'a pas vraiment de sens, mais je comprends très bien. Ah oui? Tu te mets beaucoup de pression pour rien. Essaye d'arrêter de vouloir sauver le monde à tout prix. Tu sais, si tu devais enquêter sur... Hein? Si je devais enquêter sur et me préoccuper de tout ce qui attise ma curiosité, j'aurais pas une minute pour souffler. Concentre-toi sur toi, les cours, tes amis, etc. Je sais que c'est bateau ce que je vais dire, mais la vérité finit toujours par éclater. Ça ne vaut pas la peine de courir partout et de te prendre la tête avec des choses aussi futiles. Ça ira bien mieux pour toi, croisant mon expérience. Mais, pas de mais, pense-y seulement. Je dois quand même essayer de lui parler de Juliette et Mélanie. Est-ce qu'il est au courant?
Est-ce que cette histoire est liée au potentiel harcèlement de Juliette? Georges, désolée de te couper la parole, mais je dois y aller. J'avais pas vu le temps passer et on fait une répète chez Béatrice. Si c'est urgent, n'hésite pas à me contacter par un SMS ou Messenger. Avant même que je puisse réfléchir sur ce que Georges venait de me dire, j'ai aperçu Mélanie arriver au loin. Voilà peut-être ma chance. Allez, j'ai assez tourné autour du pot et de... J'en ai assez tourné autour du pot et de me poser des questions, encore et encore. Je me lance. Mélanie? Quoi? Qui t'a donné la permission de me déranger? C'est assez sérieux au fait. Ouh, j'ai peur, respire un peu, on dirait que t'as vu un cadavre. Vas-y, crache le morceau. Mais ça veut pas dire que t'as le droit de me parler quand tu le souhaites. Et fais vite, mon meilleur ami va arriver d'une seconde à l'autre et j'ai pas envie qu'il pense que je traîne avec une fille de ton genre. Tu me rends vraiment pas la tâche facile, mais bon. Bon, arrête un peu et tu craches le morceau. Voilà ce dont je voulais te parler. J'ai montré la photo sur mon téléphone. Quoi? Comment as-tu eu cette photo? Et qui l'a envoyée? Comment tu... Attends 5 secondes, je vais t'expliquer. Supprime-la sur le champ. Tu veux quoi? Tu veux me faire un chantage? Tu veux que je fasse semblant de bien t'aimer? Ça va pas se passer comme... Mélanie, stop! Tiens, supprime la photo si tu veux. Regarde mes messages envoyés, je l'ai envoyé à personne. Mélanie a supprimé le message et s'est calmée. Après 2 ou 3 minutes de silence total, elle s'est mise à parler. J'ai jamais entendu parler de SMS en inconnu. Fais voir ta liste de contacts. C'est bien ce que je pensais. Quelqu'un a entré un numéro dans ton téléphone sous le nom de numéro masqué. Il me dit rien, mais je connais aucun numéro par cœur. Je vais quand même le noter. Tu veux en parler? Parler de quoi? Tu crois que parce que tu étais honnête avec moi et on est les meilleurs amis du monde maintenant? Tu sais, les mentalités ont changé. Je ne vois pas pourquoi tu... Je t'arrête tout de suite. C'est pas le fait d'être aussi intéressé par les filles que je ne veux pas que les gens le sachent. C'est pas le fait d'être aussi intéressé par les filles que les gens... Le problème, c'est surtout... Juliette, c'est quoi le problème? Tu sais qu'il la harcèle? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je dois y aller, je compte sur toi pour garder ça pour toi. Attends, j'ai encore des questions. Tu peux pas faire comme tout le monde et stalker les gens sur les réseaux sociaux? Je l'ai vu s'éloigner et rejoindre Edouard. Ça doit être lui son meilleur ami? Hein? Je pensais que c'était son petit ami. La journée s'est terminée. Après manger, j'ai décidé de me mettre dans mon lit et de suivre les conseils de Mélanie. J'ai hésité à en parler avec Rachel, mais j'ai pas envie de l'embêter avec ça. Je me suis allongée sur mon lit et j'ai cherché mon téléphone. Oh. J'ai fait un peu le tour des réseaux sociaux et tout le monde en espérant trouver quelque chose, mais je n'ai rien trouvé. Ni sur le Facebook de Mélanie, ni sur celui de Juliette, tout de leur entourage. Je ne sais même pas trop ce que j'espérais trouver. En ce qui concerne Juliette, elle n'a pas l'air de recevoir des messages de haine. Ce que je pensais être du harcèlement devait être un acte isolé, qui sait. J'ai décidé de faire un tour des gens du lycée par curiosité. Pourquoi est-ce que tu ne trouves pas Thomas? J'ai essayé Thomas Kiaski, mais personne n'est sorti. Thomas, qui a l'air de s'y connaître en informatique sur aucun réseau social. Je peux peut-être trouver Thomas dans les amis de Jean, je connais, non? J'ai trouvé le Facebook d'Astrid, la surveillante, mais on ne peut pas avoir ses contacts. Comment est-ce qu'il s'appelle, Monsieur Kiaski, déjà? Bon, il ne doit pas avoir beaucoup de Kiaski dans notre ville, ou même dans le monde. Ah, voilà, Anton Kiaski. Quoi? La seule photo de Thomas que j'ai trouvée semble dater d'il y a longtemps. On dirait totalement quelqu'un d'autre. J'aimerais bien la connaître un jour, son histoire. Oui? Bonne nuit. C'est flippant. La seule personne qui a eu accès à notre portable, en vrai, c'est la meuf, là. Qui était en mode, oui, je veux savoir de quoi vous parlez, la sœur de... De je sais plus qui. Enfin bref, on a fini le 7e chapitre. Donc il reste plus que le 8e chapitre à faire. On se retrouve bientôt pour le dernier chapitre disponible du coup. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.